Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 15 janvier 2023. Donc avant toute chose, un grand merci pour votre fidélité pour ce rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu, il y a un point de commencement sur les mouvements sociaux, donc ça fait quelques mois que j'en parle. Donc ça y est, il y a un point de départ, il se passe quelque chose. Donc on va regarder un petit peu si dans cette émulation, dans ce point de départ, on est sur quelque chose de chronique, ou quelque chose de plus posé, avec de la conséquence et de l'incidence, en fait, pour la population, pour les personnes vivant en France. Donc on va se lancer sur ce thème-là, regarder un petit peu la valeur de la contestation et la durée dans le temps de la contestation, et de voir évidemment en parallèle si l'État va revenir sur ses choix, sur ces, comment dirais-je, l'âge légal du départ à la retraite. Donc j'en parle depuis quelques mois également, je vous disais en septembre, je crois, 2022, que ça passera coûte que coûte. Et beaucoup d'entre vous me disaient non, ça ne passera pas. Du coup, ça va être voté, validé pour moi, mais on va regarder s'il y a un point de possible ouverture, rediscuter autour du thème du départ de l'âge à la retraite, l'âge légal en fait, voir si l'État va faire machine en arrière par rapport à ça. Donc on va faire une consultation générale en se concentrant sur les mouvements sociaux qui débutent cette semaine, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, et la réaction de l'État face à tout ça évidemment. Alors, on a la contestation, vous voyez, on a les deux coques, ça c'est la dualité, la contestation face à la carte de l'État, donc on est dans l'histoire, effectivement, toutes les instances publiques ici, une contestation dans la population par les deux coques. Alors les deux coques, c'est toujours une confrontation, et on a deux entités bien précises, c'est-à-dire la population et l'État en face. Alors, pour le coup, on va poser la première ligne de 9 cartes. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure qu'elles sortent. Hop, je sais que vous aimez beaucoup jeter un œil sur le tirage. Voilà. Donc on commence et on regarde ce qu'il en est. Donc on part, vous voyez, on a la carte de l'héritage. Donc c'est-à-dire que c'est tout un ensemble de choses qui prend pied là prochainement. Cette semaine prochaine, en fait, l'héritage d'un ensemble de choses avec cette idée de commencement. Parce que quand on dit mort, on dit début également, vous voyez, quand on dit fin, on dit commencement, donc on est sur cette perspective. Donc le thème principal, c'est pas forcément le départ de l'âge à la retraite, en fait, on est sur la valeur, le pouvoir d'achat, sur l'argent, donc il est évident que dans les contestations, à partir de la semaine prochaine, la valeur première, celle qui va primer, c'est tout ce qui a trait au matériel et à l'argent. Donc on va aller un petit peu plus loin, et on voit qu'ici, il y aura un engouement par rapport à ce thème-là dans la population, puisqu'on a les deux cœurs, en fait. Et on voit, vous voyez, l'infortune sur la fortune. Donc c'est le manque d'argent, en fait, la pauvreté, l'inflation. Donc c'est vraiment ces thèmes-là qui vont être mis en perspective, en lumière, en priorité, sur le même pied d'égalité, en fait, avec une confusion dans les réclamations. Et on voit, on a la grâce. Alors la grâce, c'est la population. On va un tout petit peu plus loin. Alors là, on me montre un départ où les foudres s'abattent dans la population. Donc, est-ce que c'est la population qui fait abattre ces foudres? Probablement. Et on a la famille, donc il y a une union, une unité dans tout ça, dans la contestation, une unité un petit peu générale de différents corps de métier, caste professionnelle, en fait, et mouvement. Donc, on a la famille, le commencement de la famille, qui abat ses foudres dans la société pour cette émulation sur le plan du matériel et de la finance. Mais en revanche, il y a un autre message qui est transmis, en fait, qui nous est transmis. On va le développer tout à l'heure. On va d'abord poser la deuxième ligne. On va voir un petit peu. Donc, il y a quand même un engouement. Il y a quand même du monde. On a les deux cœurs. Donc, les deux cœurs, la famille, l'union. Donc, il y a quand même un engouement des personnes en général, peu importe la profession, peu importe la caste, en fait, il y a l'unité autour du même thème. Pas du départ de l'âge à la retraite, c'est pas ce qui prime, mais c'est plutôt cette contestation. Donc on va un petit peu plus loin, et on a, vous voyez, le commencement en fait des deux coques, donc le commencement du mécontentement.
par rapport à la population, en fait, hein. Et on est dedans et on réclame l'élévation du pouvoir d'achat. Donc on réclame du pognon, de l'argent. On est dans des manifestations où on réclame davantage de moyens, davantage de revenus, de possibilités de l'État pour faire face à cette phase, en fait, financière. À côté des deux coqs, ici, on a une instance, présidence, hein, qui est là. Donc on va parler de ce côté-là probablement de la réaction de l'État. On va aller un petit peu plus loin. Voilà. Et on a quand même beaucoup de colère. On a la troisième rouge. Là, on a la carte, en fait, vous voyez. Ça rejoint la méchanceté, c'est la révélation des choses sombres, cachées, un petit peu complexes, dans une valeur très très négative. Et on voit ici qu'il y a quand même un amalgame, en fait, hein, sur les revendications, hein. Ça n'est pas que le thème principal de ces appels de la part des syndicats. Il y a quand même comment dirais-je, une influence financière autour de tout ça. Donc il y a de la colère qui s'exprime, en fait. Alors on va un petit peu plus loin. Alors l'État, toujours dans cette idée, vous voyez, on a la Providence, en fait, de l'aigle. L'État probablement va apporter la providence. Vous voyez, il y a cette valeur matérielle, des chèques, des petits allègements de ceci, cela, donc une petite bricole, des petits bricolages autour de ça. Mais on voit que l'aigle ici va bricoler face à la contestation des deux coqs. Inévitablement, vous voyez, la foudre ne va pas s'abattre qu'une fois. On a la longévité quand même par rapport à la roue bloquée, donc une situation qui se met en place prochainement avec quand même une continuité, un fil conducteur qui est ici par la roue, en fait. C'est une carte de Saturne, hein, qui nous annonce toujours de la longueur, en fait, hein, dans l'espace-temps. Donc là, il y a un événement quand même qui se met, des événements de contestation par les deux coqs qui se mettent en place avec une notion de durabilité, de durée. Alors, on a la clé de la destinée à côté de l'État. On va aller un tout petit peu plus loin. Mais on a l'eau, vous voyez, sur l'union, en fait, sur la famille, pardon, la famille de la contestation. Donc tout le monde se réunit. L'eau nous symbolise un petit peu le pour, le contre, et chacun des revendications, quand même, un petit peu. Il y a la notion de famille, d'unité, mais on a quand même les ciseaux ou le chat ou la faux devraient sortir là tout à l'heure. On a quand même au sein de cette union, dans les personnes réclamant, en fait, hein, dans ces manifestations, le bateau symbolise beaucoup de. Je pense, hein, on va l'étendre à cet amalgame. Hein, hein, c'est plus crier une colère, en fait, j'ai le sentiment. On part d'un thème et beaucoup de choses vont venir se greffer. Et pour le printemps, toujours, j'ai la chauve-souris qui apparaît, en fait. Oui, donc on va voir où se place la maladie. Est-ce qu'on n'aurait pas un remake, en fait, hein, des gilets jaunes avec l'arrivée d'une pandémie qui viendrait court-circuiter un petit peu ces mouvements sociaux qui se mettent en place? Est-ce qu'on n'aurait pas un remake, en fait, un deuxième épisode un peu similaire au premier, en fait, hein? Alors la chauve-souris, on va regarder de quelle hauteur, selon se place le chat noir et la maladie. Alors on va un tout petit peu plus loin. Mais il est clair que beaucoup une grande majeure partie du pays, en fait, hein, et dans des revendications et des situations très complexes. Donc là, il y a cette unité, mais chacun va revendiquer quand même des choses très particulières. Et on a les ciseaux qui apparaissent ici. Donc vous voyez les ciseaux, le bateau, ces différents thèmes qui rallient, hein, un mouvement ici, mais les demandes sont, on va voir où sort la parole aussi, sont vraiment, vraiment différentes. Là, on est quand même, vous voyez, on va parler évidemment du départ, hein, les ciseaux, l'intransigeance par rapport au travail, sur l'âge légal. Donc on voit que ce thème, il est quand même évidemment mis en perspective, hein. C'est le point de départ de la contestation et qui, autour de ça, se greffe en fait énormément d'autres choses. Mais on voit ici ce qui est, on va voir ce que va dire l'État. On a l'aigle, on a le hibou, donc premier ministre, président, première ministre. On va voir un petit peu ce qu'ils vont apporter en termes de solutions. Donc moi je pense ici il y a une petite révision, il y a un petit apport, il y a un petit allègement parce que par rapport aux prérogatives de base, les ciseaux sortent en fait, mais on voit que ces papiers d'État, ces décisions, ces projets sont quand même très très bien ancrés sur le thème du travail ici. On voit, c'est la tour, c'est la solidité, en fait, hein, dans l'expression des choses. Et on voit que par rapport
au travail ici, c'est quand même bien ancré au niveau des papiers de l'État, c'est bien ficelé. Et là, on arrive à la fin en fait de la révision du projet. L'État le propose ici, donc d'où ces contestations, avant que ce soit voté. Donc on voit qu'il y aura une petite modification, concertation, présidence et ministre ici, mais petite, hein. On n'est pas sur quelque chose de... Comment dirais-je, de réformateur et de profondément, comment dirais-je, rétroactif, hein, pas du tout. On apporte une notion d'eux, mais ça va pas au-delà. Et sur la chauve-souris, malheureusement, pour le printemps, dans la population, le chat noir est sorti. Donc je reste toujours sur mes prédictions de dimanche dernier concernant le printemps et la valeur en fait sanitaire. Donc on va aller un petit peu plus loin maintenant. On va regarder ce qu'il en est. Alors, la nativité nous indiquerait ici qu'il y a d'autres suites aux mouvements sociaux et la découverte aussi. On va regarder. Voilà, très très compliqué. Là, il y a la justice. On parle de justice. On parle de justice qui va venir à moyen terme se greffer au mouvement de contestation. Le milieu magistrat, le milieu en fait avocat va venir se greffer en fait. Et c'est, il y a une incidence. Il y aura une incidence. Donc vous voyez, les réformes sur le changement des conditions de travail sont posées et il y aura une petite modification en fait, mais rien. L'État est ancré, va rester dans ses prérogatives en fait, hein. On a la corde et la tour qui symbolisent qu'on est accroché, on est scellé dans ses décisions. Et il n'y aura pas grand-chose en fait de probant en termes de modification. Là, la nativité sort, on a la pensée amitié qui symbolise sur ce thème-là, en fait, le citoyen, la société, la population. Je pense que, vous voyez, on a un mouvement très fort, il y aura des petites choses en conséquence, mais on n'est pas sur quelque chose de vous voyez, on me demande, hein, de révolutionnaire, pas du tout. Il y aura des suites, hein, évidemment, il y aura des suites dans la contestation, toutes les rouges sont là, il y aura du barouf. Il y aura d'autres petites manifestations, mais on n'est pas sur une prise d'un mouvement national révolutionnaire, loin de là. Il y a une forme, on est très cadré, hein. Les ciseaux nous indiquent qu'on est dans une chronicité, hein. Voilà, dimanche prochain, peut-être une autre manifestation avec des appels à manifester. La voix est sortie là, hein, des appels à manifester. Il y a quelque chose de plus lourd, par contre, pas maintenant, pas au mois de janvier, ce sera pour le mois de mars, avril, dans la société, sur le plan population, sur le plan social, il faudra attendre mars, avril pour vraiment quelque chose de beaucoup plus lourd qui ne sera pas comparable à ce qui se passe ici. On est quand même plusieurs marches au-dessus. Alors, on va regarder. J'attends toujours que sorte la maladie là. Enfin, j'espère pas évidemment, mais regardez un petit peu. Alors, on y est. Donc, on a cette femme Premier ministre, hein, la famille Bou, en dessous de l'aigle, qui est là et qui fera passer ses mesures quand même, hein. Il y a cette valeur juridique, hein, on a le tribunal et le procès. On a cette femme qui va faire passer, coûte que coûte. Mais voyez, la famille politique, l'union devrait être dans les parages, mais dans la famille politique, je pense que ce sera, dans la maladie, elle a, alléluia, ce sera voté. De la contestation, hop. Et l'union est là. Donc, on voit quand même que pour la femme politique qui porte la réforme, il y a quand même un ralliement politique autour d'elle. Il y aura juste les partis opposés, hein, les autres partis, mais la droite, le parti Macron, la droite, et puis autre chose viennent se greffer. Il y a quand même une unité, et visiblement, en fait, ce sera voté quand même, hein, ici. On a l'acceptation par la table, ce sera voté malgré tout, en fait, hein, les textes de loi passeront malgré les tentatives de. Donc c'est posé, mais bon, j'en parle depuis longtemps. Alors on me montre qu'effectivement, alors où se placent les oiseaux du départ? Les réformes auront bien lieu, il n'y a nul doute, elles passeront, il y aura peut-être une petite modification, mais l'intransigeance, hein, les dossiers sont soldés, posés, l'intransigeance en fait de l'État se posera et la faux va sortir pour nous l'indiquer, c'est une certitude. Alors, ici, la faux qui sort là, dans l'inéluctable des choses, il y aura des modifications sur le trafic, la tractation, mais rien de... Je pense qu'on va revenir, en fait, à mon avis,
Cet état va revenir sur le milieu médical et paramédical, tout ce qui touche en fait à l'attrait de la médecine, du CHU, le personnel médical. Je pense qu'il y aura quelque chose de plus positif. Il y aura une révision de quelque chose pour vous. Le reste, je ne pense pas, intrinsèquement parlant. En revanche, on voit ici, hein, au-delà de la pharmacie, c'est la carte trafic qui symbolise la route, les déplacements. Et on voit qu'ici, il y a la faux à côté. Donc je pense qu'au point de vue énergie, carburant, encore du barouf autour de ça. Pas sur un long terme, sur une période bien précise, mais si les raffineries seront broquées, il y aura quelques incidences, quelques effets ici sur le trafic. Rien d'énorme non plus, rien de probant en fait, hein. Et la dernière carte qui n'est pas sortie, c'est l'État. Ah, donc tout dépend de l'État, mais l'État imposera, ça c'est sûr. La seule chose que je perçois profondément, c'est tout ce qui touche au milieu de la médecine, de la santé, du sanitaire, où les choses, où il y aura une petite révision dans le positif sur des accords financiers probablement et sur le, comment dirais-je, le thème du départ en fait à la retraite. Mais pour moi, c'est quelque chose qui sera voté et qui passera ici. Et là, vraiment quelque chose de profond, de très très lourd, mais mars-avril, pas maintenant. Sur les contestations, il y a une autre valeur plus importante, plus violente et plus lourde, plutôt pour un début de printemps en fait, hein. Après, je pense au mois de mars, hein, j'ai cette notion de prime vert, donc probablement pour le mois de mars. Je vais juste te poser la question, ce sera intéressant de savoir si c'est un mouvement dans la longueur, qu'on nous confirme ou pas, si on est dans la chronicité, la répétition en fait en 2023 de ces mouvements de contestation dans la population. Mais pour moi, ça n'est pas révolutionnaire, hein. Je sais que beaucoup aimeraient une révolution, mais on n'est pas sur une révolution en fait dans la population, loin de là. Loin de là, en fait, hein. Alors, je me concentre et je leur demande là-haut de nous montrer, en fait, la longueur, la longévité de ce départ de contestation. Alors, on regarde, on a la tour, la solidité. Il y a une forme de sagesse. Alors, la sagesse autour de ça, c'est la réflexion. Il y a un raisonnement. Il y a un raisonnement. Donc, il y aura un raisonnement plus. Plus, comment dirais-je, plus ouvert par rapport à tout ça, probablement un raisonnement plus posé, voyez, moins de violence, pas comparable à avant en fait, hein. La contestation, elle apparaît là en fait, hein. Vous voyez, on a les corbeaux de la discorde et on a quand même tout ce qui touche en fait à la justice, à l'État qui est soldé. Mais moi, on me montre qu'effectivement, le vrai point de départ, hein, c'est les gardiens de la paix. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va partir par les gardiens de la paix, le milieu de la justice et les gardiens de la paix. Pas maintenant. Il va se passer des choses probablement en fait au printemps et c'est un autre mouvement qui sera issu de ce milieu-là, probablement. Mais voyez, on a la saison du printemps et je pense que c'est vraiment ce point de départ plus important. Voilà, et c'est écrit ainsi. Ça n'est pas maintenant. Ici, c'est un tour de chauffe, visiblement. Mais je pense que le monde de la justice, le monde des forces de l'ordre, en fait, vont exprimer quelque chose de très très lourd, en fait, hein, je pense, hein. C'est quelque chose qui sera mis, en fait, après, par la suite, hein, dans quelques semaines. Et ça va être quelque chose de plus fort, plus lourd, plus important, et qui va engendrer autre chose. Mais là, on n'est pas sur une longueur, en fait, hein, une longueur. On est sur de la chronicité, quelques appels, quelques mouvements, mais rien. Puis on voit qu'effectivement, au niveau des alliances politiques, on a la fortune. Donc, en fait, les partis d'opposition qui s'opposent à l'État ne s'entendent pas ensemble. Donc, tous ces partis politiques se détestent, en fait, hein, les opposés. Les oppositions face à l'État, pardon, on a l'infortune dessus. Donc l'union fait la force et là l'union n'existe pas. Donc l'union ne fera pas la force, ni plus ni moins en fait. Donc voyez, c'est un peu un tour de chauffe. On est un peu dans un tour de chauffe et ça n'est pas révolutionnaire, tout simplement. Voilà pour cette petite approche au niveau des mouvements sociaux. En tout cas, merci beaucoup je réitère, hein, merci beaucoup pour votre grande fidélité pour ce rendez-vous du dimanche. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée, une très très belle semaine, un petit peu fraîche, et je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup.